investissement est une industrie relativement récente au Maroc. Elle apparaît au début des années 90 et ce n'est qu'à partir de 2000 qu'elle commence son déploiement, son développement. L'émergence de cette industrie au Maroc n'a rien d'une génération spontanée. C'est le résultat de la politique active menée ces 10 dernières années par l'État investisseur, l'État développeur, l'État incubateur. L'État a participé activement au développement de cette activité à travers la CDG, qui, comme vous le savez, a une mission double. D'abord, appuyer et accompagner le développement et la modernisation du tissu économique marocain, et parallèlement, en tant qu'investisseur, chercher et obtenir une performance financière solide et durable de ces investissements. Les filiales spécialisées du groupe CDG, à savoir CDG Capital et FIPAR, ont su, ces 10 dernières années, jouer pleinement leur rôle, c'est-à-dire être une vigie, garantir le long terme, dessiner une stratégie. Ainsi, des financements ont été apportés et de la fluidité a été créée dans le marché. CDG Capital est aujourd'hui leader dans la gestion alternative, qui inclut non seulement le capital investissement, mais l'infrastructure et le real estate. Elle gère près de 7 milliards d'actifs et compte jouer à l'avenir un rôle moteur dans le développement de cette activité qui est vitale pour le financement de l'économie du pays. La part du capital investissement dans l'économie marocaine reste encore marginale et le potentiel de développement de cette industrie est très important et devrait se concrétiser dans les années à venir au vu de la croissance économique locale et régionale et surtout du besoin de financement des PME. CDG Capital Private Equity, notre filiale spécialisée dans le capital investissement, fête cette année son 10e anniversaire. Elle a développé une vraie expertise et dispose aujourd'hui d'un track record solide et réel. CDG Capital Private Equity a grandi avec l'industrie du capital investissement. Elle en fut un des pionniers. On est maintenant un acteur de référence et ambitionne demain de jouer un rôle clé dans son développement, aussi bien national que régional.